Bonjour tout le monde. Je vais me mettre à petit. Salut, je suis vraiment petit. L'application que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle qui est ici. C'est Puppet Pals. OK? Donc, on va jouer ensemble. Ah, il y a un petit musique, je pense que tu peux l'entendre aussi. Et je vais cliquer sur jouer. Mettons que je vais choisir la Grèce. Wouhou! Voilà les voyages imaginaires. Donc, voilà, je suis là. Oh non, j'aime plus la Grèce. Je veux choisir une photo de chez moi ou de la cabane que je fais ce matin. Puis, je veux la mettre en décor. Ben oui, c'est possible, tu peux le faire. Mais mettons, moi je vais choisir dans mes photos. OK? Je vais juste faire ça ici. Parce que là, on va commencer. Puis, mettons que tu as pris des photos à l'avance. Ou sinon, ben, tu peux prendre la photo tout de suite du décor que tu voudrais. Donc, moi, je clique ici, dans la photo. Puis, tu vois, il va y avoir deux options, prendre une photo ou choisir une photo. Là, on ne le voit pas trop, là, à cause de la luminosité. C'est pas grave, c'est écrit. Donc, je vais choisir une photo de ma galerie de photos. Ben là, c'est ma galerie personnelle, hein. Fait que là, tu vas voir mes photos. Je suis un peu gênée, mais c'est pas grave. Je vais choisir deux choses. Bon, c'est à l'envers. C'est le fun. Toutes les photos, ben, je ne sais pas. Mettons là, je vais choisir une photo de ma maison. J'espère que c'est correct pour toi, là. Ma piscine. En fait, c'est la piscine que j'ai chez nous. Voilà, c'est ma maison. Étant donné que je suis une personne riche et célèbre, j'espère que c'est correct pour toi, que c'est pas trop laid. Oui, ouais. Oui, j'habite là. Là, ce que tu peux faire, c'est vraiment comme tu choisis ta photo, là, mettons, puis tu peux la mettre plus grande, plus petite, comme tu veux. Et ensuite, ils vont te demander de marquer une horizon. Mais là, tu n'es pas obligé de faire ça, là. C'est si jamais tu choisis un décor qui est dans tes photos. Là, moi, je te recommande fortement de descendre ton personnage jusqu'en bas, faire terminer ici, et après ça, il te demande d'ajuster l'acteur. OK? Moi, je veux l'ajuster, mais je le veux. Je veux pas qu'il soit trop gros, là, comme ça. Là. Moi, je veux qu'il soit petit. Ah! C'est un mini-acteur. Ah! C'est drôle. Je vais l'approuver. Et voilà. Et ça va devenir le décor. OK? C'est super beau, hein? Moi, j'aime ça. Mais, mettons que je vais le changer parce que là, moi, ça me gêne vraiment que vous soyez en train de regarder ma piscine puis ma maison parce que, bon, c'est gênant. Mais je vais le changer. Ah! Là, on va choisir Athènes. Ouais. Ouais, Grèce. J'aime ça. Ah, en plus, je suis allée, hein? Fait que c'est pas pour rien. Hein? Mais alors, on va commencer pour. Choisir un personnage ou des personnages qui vont être dans notre pièce de théâtre ou dans notre histoire. Donc, je m'en vais dans les petites icônes où il y a un personnage et tu vas voir, il y en a plusieurs, hein? Là, tu vas choisir celui que tu veux, celui qui te plaît, on s'en fout, là, on va choisir lui. Joueur de foot, hein? Pourquoi pas? Joueur de foot, genre en Grèce? Ah, moi, choisir un autre personnage. Je ne sais pas qui on pourrait choisir. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu voudrais que je choisisse? Je sais pas. Pa, 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 pa. Ah, le Père Noël! Ah, qui aime pas le Père Noël? Le Père Noël. Mais tu vois, quand je bouge avec mon doigt, quand je touche le personnage, quand je touche le personnage, il bouge. Là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si je m'en vais en haut avec mon doigt, il devient grand. Ah non, ouais. Si je m'en vais en bas, pardon, tout le contraire. Si je m'en vais en bas, il devient plus grand. Si je m'en vais un petit peu en haut, avec mon doigt, il devient petit. Une autre chose à savoir, c'est que tu peux lui faire des mouvements aussi, hein. Le regarde. Hop, lui, il bouge pas. Allez, ah oui, ben oui. Salut, Père Noël. Ah, salut. Oh, 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 bo-bo-boy. Oh. C'est bien drôle, hein? T'as noté aussi qu'il bouge sa bouche. Mais ça, on va le faire tantôt. Donc, tu peux choisir tes personnages. Une autre chose intéressante aussi, et je vais te montrer,
Est-ce que tu vois la petite voiture? Dans la petite voiture, tu vas pouvoir choisir un animal ou un véhicule. Bon, je m'en vais là. Ah, voilà. C'est parfait, ça, hein? Moi, j'aime bien les voitures de police. Hein? Donc là, on va le mettre en scène aussi. Une voiture de police. Ah, c'est quelle belle histoire, hein? Hein? Un joueur de football américain, le Père Noël, puis une voiture de police. Ah, ça va être beau. OK. Fait que là, j'ai choisi aussi ma voiture. Une autre chose que je peux faire, et je vais te montrer, moi, je trouve ça vraiment rigolo, c'est qu'il y a ici un onglet, ouais, une icône, pardon, dans lequel il y a comme un genre de petite tête. Ouais? La petite tête, là, quand je clique là-dedans, ah, c'est moi. Mais là, je vais te dire qu'est-ce qui se passe ici. OK. Dans les petites têtes, là, ce qui se passe, c'est que tu vas trouver tous les personnages que je t'ai montrés tantôt. Mais la particularité, c'est que tu vas pouvoir changer la tête, les hauts du corps ou les bas du corps. Donc, là, tu vois ici, il y a un dé. Donc, les dés, c'est pour le haut du corps. Et les dés d'ici d'en bas, c'est pour le bas du corps. Donc, tu vas pouvoir créer ton propre personnage loufoque. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que tu vas pouvoir, si tu veux, hein, te mettre en scène, tu vas pouvoir mettre ta photo aussi. Comment ça marche, mettre ma photo? Ben, tu cliques ici. Boum. Take a photo, or you can use Ben, one il from va the prendre photo une photo library. de toi. Donc, tu mets Say ta cheese. tête. Tu mets ta tête. Là, on va pas.